Salut à tous, une vidéo qui va sûrement faire couler pas mal d'encre électronique. J'ai envie de revenir sur l'inutile et fratricide guerre des systèmes d'init. Oui, encore une fois. Ce sera la dernière fois que je reviens dessus parce que je vais exprimer mon point de vue en restant aussi neutre que possible. Même si certains considèrent que si on est d'un clan ou de l'autre, on peut pas être neutre. Les systèmes d'init, c'est ce qu'on voit le moins avec un noyau sur une distribution GNU Linux. Le moins. Il s'occupe de gérer les services, de les lancer, de les démarrer, de les éteindre, de les relancer à volonté, d'allumer et d'éteindre l'ordinateur. En gros, voilà ce que ça sert, à quoi sert un système Linux. J'utilise Linux depuis 1996 et en monoboot, monodémarrage c'est préféré, depuis 2006. En gros, depuis 1996, j'ai connu Slackware, la Linux GitOps que je cherche avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de malchance. Donc, si vous avez soit une image ISO de Linux GitOps, soit un CD de Linux GitOps, je vous en remercierai jamais assez si vous pouvez me le faire parvenir. Voilà, c'était ma petite annonce. Donc, pour revenir à notre sujet, le système init, c'est le premier démarrage, enfin, le programme qui démarre, c'est le mère de tous les programmes. Sauf que il faut faire un petit peu d'histoire, donc je reviendrai après sur mon histoire personnelle, mais il faut revenir en 91. Linux Torvalds commence à développer Unix, commence à développer Linux, qu'il appelle à l'époque Frix. Si on prend ce bouquin, Just for Fun, dont je vous mettrai les références dans le descriptif, si vous pouvez le trouver, vous aurez de la chance, bon, il est en anglais, il est facile à lire, il parle de la naissance justement du noyau Linux. Et si on voit la page 82, voilà, désolé là, j'étais en train de rechercher la page et je vous la montre. Voilà, la page 82. Il dit, bon, The shell allows you to log, the shell allows you to log on the first place. OK, traditionally, in a real Unix system, the first program you run is called init, but init really needs a lot of infrastructure to work on, not to work. Traduction rapide. Le shell vous permet de vous connecter en premier lieu. Le shell, si vous savez, c'est espèce de texte pour se connecter. OK, sur un système Unix traditionnel, et vrai système Unix, le premier programme que vous lancez, c'est init. Mais init a besoin de beaucoup d'infrastructures derrière pour fonctionner. Il dit un peu plus loin, So instead of starting init, the first thing my kernel did was to start the shell. Au lieu de lancer init, la première chose qu'a fait mon noyau, c'est de lancer le shell. Ça permettait comme ça de déboguer ensemble et d'avoir accès aux fonctionnalités. Voilà, vous trouverez le lien dans le descriptif. Et si on regarde la première annonce du noyau Linux qui se trouve page 85, voilà, je vous mettrai aussi le lien dans le descriptif, Célébrissime, Hello Everybody, il précise I've currently ported Bash 1.08 and GCC 1.40. J'ai actuellement porté Bash 1.08 et GCC 1.40. And things seem to work. Et ça semble fonctionner. Donc, la première chose qu'a fait Linux Torvalds en 91, c'est de pouvoir lancer le Bash, pas le système d'init. C'est quand même beaucoup plus important. Voilà. Fermons cette parenthèse. Donc, pour en revenir à ma propre expérience, donc je peux parler, j'ai commencé vraiment à avoir du monoboot Linux de manière constante, après un premier essai en 2004 avec la Mandriva de l'époque. Non, c'était pas l'époque, ça s'appelait déjà Mandrake. Ça s'appelait pas encore Mandriva. Bon, j'étais resté 4 mois avec la Mandrake. Mon premier système auquel je suis resté longtemps, depuis après je suis resté définitivement sous du Linux en monoboot, c'était Ubuntu 6.06 à l'époque de la version RC. Je vous mettrai les liens dans le descriptif, les articles de blog dans le descriptif, il faudra mettre pas mal de liens en dessous. Bref. À l'époque de la LGF, alias 6.10, Upstart est arrivé et a remplacé 6vInit pour avoir quelque chose de plus puissant. Ensuite, je suis passé à l'époque entre la 8.10 et 9.04. Donc la 9.04, je sais plus comment ça. La 8.10, c'était la Gutsy Gibbon, Ubuntu Gutsy Gibbon, si mes souvenirs sont bons. Et la. Non, c'est la Hardy Iron, la 8. Non, la 8.04, c'était la Hardy Iron. Donc la Intrepid Ibex, voilà. Pour me rappeler ces vieux noms de code, c'est pas évident. Ça remonte à plus de 8 ans quand même. Non, bref. Entre la 8.04, enfin 8.10 et la 9.04, je suis passé sur Arch Linux, qui à l'époque utilisait 6vInit. Personnellement, j'en avais rien à foutre. Moi,
tout ce qui est importé, et même fichier rc.conf, on rajoutait les démons à lancer, les démons, pardon, daemon, pardon, pas les démons, pas les petits purs avec des pics, même si c'est le logo, de, enfin, le mascotte de BSD, bref, enfin, cette parenthèse aussi. Ça permettait de lancer Cube, ça permettait de lancer le pare-feu, bref, tout était lancé par une série de démons, comme ça, dans une fichier rc.conf. En octobre, entre-temps, Red Hat, qui n'était pas satisfait de Upstart, développe Systemd. Et c'est à partir de Fedora 15 que Systemd commence à être le système d'init par défaut de Fedora. Donc en gros, ça fait à peu près, c'était 2011-2012, bref, ça fait à peu près 5-6 ans maintenant. En octobre 2012, Arch Linux est passé directement sur Systemd. Moi, c'était pas évident au début, je peux vous le dire, c'est comme le passage à Groupe 2, c'était la merde. Mais depuis, bref, c'était un nouveau système d'init, je l'ai appris, ça ne m'a rien changé. Arrive le célébrissime fork de Debian. Enfin, arrive le grand événement qui est la naissance de Debian. Bon, bien sûr, le site qui disent qu'ils sont les Init System Freedom Lover, les adorateurs de la liberté de système Init, ne propose qu'une version. Pour combattre le système Init, ne propose qu'une version 6 Init. Quid de Renit? Quid de S6? Quid d'OpenRC? Alors, pour le petit côté culturel, S6 est un système Linux qui n'est utilisé que par Oberon, une distribution basée sur Arch Linux, je crois me souvenir. OpenRC, il y a la Manjaro OpenRC, dont j'ai fait une vidéo récemment, et donc vous trouvez dans le descriptif, encore une fois. Et il y a aussi, bon, bien sûr, il y a aussi la Gentoo, la Funtoo pour OpenRC, et la Slackware qui propose un système à la 6B Init, enfin des Init à la BSD. Et pour Runit, il y a la Void Linux, qui est une très bonne distribution. Donc, moi je m'excuse, mais un choix, c'est minimum deux options. Parce que si on dit le choix, mais on dit il n'y a que ça à utiliser, ce n'est pas un choix, c'est une imposition. Ferme la parenthèse. Donc là, j'ai pu vous montrer que la Manjaro OpenRC, dans une vidéo récente, est autant fonctionnelle qu'une Manjaro Systemd. La seule différence, c'est le système d'init utilisé. Est-ce que c'est le plus important pour un utilisateur? Est-ce qu'il n'est pas plus important de pouvoir faire fonctionner son imprimante, sa webcam, c'est une clé USB, faire fonctionner un disque dur externe, faire fonctionner une carte vidéo, Est-ce que le plus important, ce n'est pas de faire fonctionner son matos? Est-ce que certaines personnes se rappellent ce qu'était le système, enfin, l'informatique il y a encore 10 ans, l'informatique libre il y a 10 ans encore, ou même il y a 5 ans? Il fallait vraiment trier pour avoir des matériel fonctionnel. Maintenant, je peux acheter une imprimante, mis à part une ou deux marques, je peux acheter une imprimante Epson, HP, Browser, à la limite, je pense que ça fonctionne. Je ne vais pas me prendre la tête à savoir est-ce que ça va fonctionner. Voilà, c'est tout, quoi. Il faut arrêter. Le système Linux peut être important, mais ce n'est pas une guerre à mener. Non, c'est une guerre qui est complètement inutile. Ça ne sert à rien du tout. À quoi ça sert de se battre pour savoir? On doit lancer une commande avec RCAD, nom du démon, ou avec système CTL, enable, nom du service. À quoi ça sert? Est-ce que vous ne considérez pas qu'il est plus important de s'attarder sur le support des environnements de bureau, sur le support du matériel, sur la possibilité de pouvoir faire fonctionner un ordinateur en UEFI sans problème? Je vous pose juste la question, je n'ai pas la réponse. Pour moi, cette guerre est inutile. Comme d'ailleurs par la plupart des guerres. Ce n'est que ça fait perdre des ressources, ça donne l'impression que la communauté du libre, enfin le monde du libre, ne fait qu'une chose, se taper sur la gueule. Et qui c'est qui a le code de rien dans ce cas-là? Apple, Microsoft, même si Windows 10 est un peu dur à avaler. Et qui c'est qui les rend pommard? La distribution du Linux sur le bureau qui ne va pas dépasser les 2%. Comme pour le pullback des fonds compulsifs, dont vous trouvez encore un descriptif, il faut arrêter, il faut se responsabiliser. Si un jour Arch Linux décide de passer OpenRC, ben ils passeront OpenRC, je reprendrai à faire fonctionner mon système Linux, point barre. Je n'en ferai pas une jaunisse. Donc, les pro-systèmes des fanatiques, les anti-systèmes des fanatiques, allez vous faire voir avec du petit gravier et du verre pilé, c'est encore meilleur. Maintenant, je tiens à préciser une chose, je ne suis ni pro-systemd ni anti-systemd, je suis juste pour avoir une distribution GNU Linux fonctionnelle. Le reste, je m'en bats les couilles. Et ça fait très mal. Donc voilà, c'était la petite gang que je voulais pousser. Maintenant,
Vous me mettez des dizaines de pouces rouges pour me faire penser à un visage derrière la varicelle, j'en ai rien à battre. J'ai juste exprimé mon point de vue en restant neutre. Vous avez tous les points de documentation qui sont descriptifs. Tout ce que je vous ai cité, vous l'aurez dans le descriptif. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!